Salut l'équipe! On espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve les amis pour une ouverture un petit peu spéciale avec, vous l'avez vu dans la miniature, un petit coffret dresseur d'élite destiné au culte. Mais avant ça, on va s'ouvrir un petit booster. Trop mignon. Ouais, un petit booster des 25 ans. Il est US, donc américain-anglais. Et voilà, voilà, il y a une petite carte que on veut ajouter dans notre collection, dans la collection de Massman surtout. Parce qu'il y a une petite carte spéciale 25 ans de Pikachu. Donc voilà, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je ne sais pas ce qu'il y a exactement, sincèrement. Je ne connais pas trop ce qu'il y a dans ces boosters-là. Bon, en attendant qu'on l'ouvre, les amis, je vais vous parler de plusieurs petits trucs. Donc voilà, il y a une petite demi-display comme ça que nous allons utiliser dans la prochaine roue de la nocturne, les amis. Donc, pour participer à la roue de la nocturne, parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup de messages comme ça. Attends, Massman, je vais l'ouvrir. Il faudra mettre « Je participe » sur le post qu'il y a, qui va s'afficher juste en bas, qu'il y aura sur notre Instagram. Le prochain post sur Instagram, il y aura une petite photo de nous ou de Massman ou peu importe, avec cette demi-display. Les boosters, ils sont pas pesés, hein, c'est du retour de presse. Mais la demi-display est non scellée, mais c'est pas pesé. Garantie 100%. Et voilà, on va faire une petite roue de la nocturne. On fera une petite roue de la nocturne aussi. La suivante, celle d'après, ça sera avec une petite... Elle adore quand il y a du plastique faire du bruit à côté de moi pendant que je parle. ça sera avec une petite ETB destinée au culte. Destinée au culte, les amis. Et voilà, et les ETB destinés au culte, comme d'habitude, ça vient de chez Gelostore, les amis. J'ai hâte de voir le Pikachu. Voilà, ça vient de chez Gelostore. Vous avez le lien en description. Vous avez le petit code promo qui se met juste en bas, Pokémasmas. Ouais. Et voilà, vous avez droit à 5% à partir de 25 euros d'achat. Donc n'hésitez pas à y aller, surtout, regarde, voilà. Oh, il est trop mignon. Bon, on la connaît celle-là. On la connaît, mais il y a le petit sigle, hein, l'holographisme il est sympa, il y a le petit sigle à gauche 25, donc ça sera pour ta collection Massman. Il est trop beau, hein. Ouais, il est magnifique. Donc voilà, c'est version anglaise, il n'y a pas en France. Promo SCH 39. Il a bougé là, hop, comme ça il bouge plus. Derrière, qu'est-ce qu'on a? SCH 11. Moumouton, celle-là je vais la mettre là. Bon, franchement, ce qui nous intéresse à nous, c'est la pika. Moumouton, on s'en fiche un petit peu. C'est quoi? C'est anglais? Ouais, c'est anglais, ma chérie. Et derrière, un charibari. Mais ça, c'est une carte normale, ça, 136 sur 202. C'est écrit Cufan? Ouais, Cufan. C'est Charibari. Bon, je sais plus exactement. Voilà, c'est bizarre que celle-là, ça soit pas une promo. Que ça soit une carte normale d'épée et bouclier. Bon, enfin bref, nous, c'est surtout pour le Pika. C'était surtout pour vous faire découvrir ce petit booster. Et dans tous les boosters, il y a la Pika. Automatiquement. Voilà, le petit booster aussi, il est sympa. Ouais, j'aime bien moi. Ouais. Et voilà, bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est la petite... ETB destiné au culte, les amis, on vous la présente plus, vous la connaissez. Il y a le livre, hop, on prend les boosters, les sleeves, là ouais, la petite carte promo, sympathique, ouais, on l'a déjà. Je regardais si elle était bien centrée. Et voilà, petite protège-carte, la carte promo, on va la remettre dans la boîte. Allez, c'est parti les amis, 10 petits boosters. On en a ouvert une il n'y a pas si longtemps, hein, Massman? Ouais. Je vais ouvrir 5 boosters, Massman elle va en ouvrir 5. Celle qu'on avait ouvert la dernière fois, on n'avait pas trop eu de chance. On avait eu 2 petites shiny et une grande shiny. La grande shiny, c'était qui? C'était pas Amphinobi. Ouais, c'était un truc comme ça, c'était une ultra chimère. C'était pas terrible. Oh là là, je me suis trompé. Eh bien, on commence direct avec une full art. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, une belle full art. Des 3 oiseaux. J'ai fait 1, 2, 3. À la place de 1, 2, 3, 4 ou un truc dans le genre. Voilà, bon, je le mets là parce que j'ai... Elle est magnifique. Elle est belle, celle-là. Premièrement,
déjà une belle carte. Ouais, d'entrée, une belle petite carte. Allez, un petit Gravalanche. J'ai spoil, heureusement qu'il y a la petite shiny. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, lui? La petite shiny et la grande shiny en avant-dernière position. Allez, Paras. Bon, voilà, il y a des jours comme ça, là. Il est là, il va nous gonfler. Pourquoi ça fait pas la mise au point? C'est bizarre, ça. Salamèche et Magikarp et. Non, pas de petite shiny. Un petit insécateur en reverse. Bon, on aura quand même eu... Bon, on va utiliser les sleeves de ça. Déjà, une petite full art. Ça fait plaisir. Surtout que les trois oiseaux... D'ailleurs, les trois oiseaux, ils arrivent dans la prochaine série en japonais. Je les ai vus. J'ai vu les illustrations. C'est S6H. Et l'autre, c'est S6, je sais plus quoi. Et il y a les trois oiseaux. Articodin, Articodin, Elector et Sulfura. Et franchement, les illustrations, elles sont super sympas. Elles sont vraiment belles. Voilà, ça sera pour Mas. Je ne l'avais pas mis dans le protège-carte. Allez, c'est parti. Premièrement, on a déjà une belle carte full art. Ouais, déjà une belle petite full art, ça fait plaisir. Oh là là. Putain, mais c'est incroyable, hein. 1, 2, 3, 4, regarde dessus là, comme... Bon, bref, je vais pas le dire chaque vidéo, mais franchement, ça me fait halluciner chaque vidéo. Même la rare derrière, s'il y a quelque chose, il y a une grosse trace blanche, un gros trait blanc en haut. Mais bon, je vais pas le répéter chaque fois, sinon ils vont dire... Il nous saoule, celui-là. Allez, énergie. Je sais pas pourquoi, il veut pas se stabiliser. Désolé, les amis. Ça, c'est relou, ça, fraîchement. Paras, Salamèche, Ramolos. Allez. Ah, une petite shiny. 32. Et c'est qui? Eh, Bamboiselle. Bah, c'est pas un Pokémon ultra glamour. Mais je suis pas tombé dessus très, très souvent sur Bamboiselle. Donc, c'est plutôt sympa. Et le petit Mew en rare. Moi, je l'avais jamais vu, Bamboiselle. Tu l'avais jamais vu, celle-là? Non. Et toi? Ben ouais, moi je l'ai parce que j'allais dire j'ai le full set. Non, j'ai pas le full set, mais j'ai pratiquement le full set. Les petites shiny de cette série-là, je les ai toutes. Il me manque que quelques grandes shiny. Ama, des manchetés comme ça, là, dans le genre. Des moches. Ouais, ils sont moches, c'est pour ça que je dis ça, Mas. C'est des Pokémon que, franchement, ça... J'ai pas envie de... Même si c'est pas trop cher, c'est 15-20 euros. J'ai pas trop envie de mettre 15-20 euros dans des cartes comme ça. Donc du coup, j'ai pas le full set. Allez, Chenipan, Paras, Salamèche, Melofée. Ah, un petit Mew en rare reverse. On l'aura eu en... Eh ben, la doublette. Mew et Mew. Et qu'on l'a eu en rare dans le booster d'avant. Bon, il reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ouvert combien de boosters, là? J'en ai ouvert 3, 4. Attends, j'aime le compter peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'en manque pas. Il manque un booster. Non, mais c'est incroyable, Pokémon Company, franchement. Ouais, il y a la carte promo. Il manque un booster. Eh ben, franchement, Pokémon Company, vous commencez sérieusement à... nous les casser, je vous le dis, fraîchement. Hein. Chaque fois, il y a des délires bizarres. Hein. Chaque fois, c'est incroyable. Hein. C'est pas une fois de temps en temps, ça peut arriver. Le droit à l'erreur arrive. Mais là, c'est un truc de fou. Hallucinant. Incroyable. Il n'y a pas en ce moment, non, hein? Non. Ouais, 5. Mais oui, il y a 10 boosters là-dedans. Et là, il n'y en a que 9. C'est incroyable, ça. Incroyable. Et ça m'était... Non, ça m'était pas arrivé avec les Pokébox à l'époque. J'avais eu 3 boosters dans une Pokébox où il y avait des communes à la place de la reverse. Allez. Et non, une rare reverse avec Ronflex et derrière une petite Voltali en rare. Et ça se trouve, c'est le booster où c'est qu'il y a une grosse carte, on ne sait pas. Franchement, c'est incroyable. Bon, il faudra que je regarde au montage. Mais là, j'ai que 4 paquets de boosters. Donc, ouais, il n'y a que 9 boosters.
Et il me semble que j'ai vu une vidéo où c'est qu'il y avait que 9 boosters dans une TB comme ça. Allez, tiens, Mas, tu ouvriras les 5 derniers. Non, mais c'est incroyable, franchement. C'est incroyable. J'espère que je vais de la chance. Ouais, j'espère que tu auras un bon tirage, ma chérie. Ça sert à rien de faire du reprint ou faire je sais pas quoi, si c'est pour faire les choses coupées au ciseau ou alors ne pas mettre le bon nombre de boosters dans le TB. Ah, celle-là, on l'a pas vu. Les aciers. D'évolution, t'as dit? Oui. C'est pas une évolution, c'est crise acier. Si, c'est l'évolution de Chenipan. Magmar, Rakaillou, Osselet, Evoli. Un petit Mélofé. Et derrière, on a quoi? Vas-y, Mas, c'est encore celle de derrière. Non, c'est une rare reverse avec un Smogogo. Et derrière, nous avons un Arbok en rare. Oh, il y a la dresseuse. Ouais, c'est Jessie. Oh, elle est belle. Je sais pas pourquoi il fait pas la mise au point, lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Quand je fais comme ça, ça va. Ouais. Allez, vas-y, tiens, pose-le. Tiens, mon chéri. Allez, espérons que la main chanceuse de Mas, mets-toi sur la droite là. Ouais, espérons que la main chanceuse de Mas nous porte chance aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, hein, Mas? Ouais. Allez, Mélofé, Chenipan, Abo. Oh, Kirlia, en petite shiny. Elle est magnifique. Je te la donnerai, ma chérie. Je te la donne. Je te la donne, celle-là, je l'ai. Et on a eu une belle holo. Maîtrise aquatique d'Ondine. Ouais, c'est une holo qui est pas mal. Elle est plutôt jolie. C'est fou. Oh, c'est bon. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a l'appareil photo. On va voir ça avec la caméra. De l'holographisme, ouais. Allez, 1, 2, 3, 4. J'adore, c'est joli. Tiens. Vas-y, pose-la. Celle-là, je l'ai à plusieurs reprises. Allez, let's go. Allez, suggestion de Morgane. Mets-toi un peu plus comme ça, tu vois, que ça soit droit. Laisse, pas grave. Vas-y. Reptencel, Smogo, Mélofé, Starry. Vas-y, Mas, vas-y. Rondoudou. Après celle-là, doucement. Ah, une énergie électrique reverse. Et derrière, un Loclass en rare. Bon. Espérons une grande shiny, mais ça se trouve, elle était dans le booster. Ouais, Loclass. Elle était dans le booster. Mais j'ai tout, Mas, je t'ai dit, de cette série-là. Oh. T'es têtu. J'ai tout. Je l'ai, ça. Même celle-là, Lolo, j'ai tout. Tout ce que tu vois là, je l'ai, ma chérie. Ça se trouve, ouais, je disais, ça se trouve, la grande shiny, elle était dans le booster qui nous manque. Allez, let's go. Allez, énergie acier. Lipoutou. Dame du centre Pokémon, crise acier. Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi, quand même. Vas-y, mon chéri, vas-y. Ouais, là, il y a les énergies. Osselet. Vas-y, va doucement. Canartichot. Et à Staros GX. Ouais, rien de fou. C'est bien, c'est une petite GX, mais rien de fou. Franchement, on n'a pas de chance. Hein. Ça fait 2 ETB qu'on ouvre et 2 ETB qui sont pas terribles. Là, on a eu quoi? Ouais, on a eu une full art au début, mais. Bon, après, il y a le dernier booster là, mais c'est pas terrible. Hein. Par rapport au tirage que j'ai vu dans certaines ETB. J'ai retrouvé. Oh, bien joué, Mas. Bien joué. Il était coincé là. Donc, je m'excuse, Pokémon Company, mais à coup pas, je m'excuse et je retire ce que j'ai dit. Oh, parce que sinon, ça aurait été abusé. Ben oui, c'est un booster comme ça, ça se revend 10€. Donc voilà. Allez, Mas, tiens. Ben celui-là, c'est le mien, hein. Je l'ouvrirai après. Eh oui, hein. Tiens. D'accord. Et on va voir, ça se trouve, il y en a une belle shiny là-dedans. Dans un petit booster Mew. On est vraiment désolé. Allez, dame du centre Pokémon, Salamèche, Ramolos. J'ai bien fait de chercher. Ouais, t'as bien fait de regarder, ouais. Pikachu. Oh, il est trop mignon.
Voilà, déjà, va doucement derrière. Non. Abo en reverse et électrode en rare. Allez, dernier booster, les amis. Et j'en suis sûr qu'il est là-dedans. La shiny, je dis ça, mais j'aimerais bien, mais il n'y a rien de sûr. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, une petite énergie électrique. Piège de Koga, stratégie de Major Bob, détermination d'Ondine. Hop, ben, je crois pas. C'est Pikachu. Et derrière, non. Une petite SV. Oh, Magnézone. Ben, c'est une. Franchement, pour le coup, c'est une belle SV. Et derrière, nous avons un Papillusion en rare. Bon, on aura quand même eu 3 petites SV, mais on n'aura pas eu de grandes shiny. Hein. On n'a pas de chance avec les grandes shiny dans ce petit réassort de TB. Mais on a eu de belles petites shiny. Franchement, Magnézone, hein, c'est une très très belle petite shiny. Ouais, franchement, sur 10 boosters, on aura quand même eu 5 ultra. Surtout, c'est celle-là que j'aime. Ouais, celle-là, c'est une belle full art. Mais voilà, après par rapport aux grandes shiny, c'est moins prestigieux. Mais ouais. Bon, c'est pas grave avec la carte promo. Bon, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye l'équipe.